C'est Retmoel Katan, d'affaire café. Retmoel Katan, feuille numéro 25. Nous sommes à la feuille 24. Deux lignes avant la fin, à la Mishnah. Matitin, en Corinne, on ne déchire pas son vêtement, V. L. on dénude pas son épaule, V. et on ne participe pas au premier repas juste après l'enterrement qui est apporté par... D'autres et la Krovav sauf si on fait partie des proches parents du mort. Avrin et la Et on ne participe à ce repas que lorsqu'on est sur un lit qui est posé normalement et non pas renversé. Ceci pendant la demi-fête. K'mara, la K'mara dit même lorsqu'il s'agit d'un sage qui est décédé un sage qui est décédé akol krovav tous sont ses proches parents akol c'est le tu penses vraiment que tout le monde est ses proches parents et là akol kikrovav mais ça veut dire que tous sont comme ses proches parents akol tous doivent déchirer leurs vêtements pour lui va kol tous doivent dénuder leur épaule pour lui va kol et tous doivent participer au premier repas qui suit son enterrement, Birchava, qu'on fait sur la place de la vie. Notre Mishnah, son enseignement ne vient que dans le cas où, effectivement, il ne s'agit pas d'un sage qui connaît euh, la Torah. Veyadam Si c'est maintenant un homme. Qui se conduit bien, qui n'a jamais été suspecté de transgresser la Torah, on a aussi l'obligation de déchirer son vêtement pour lui. Et Tanya, comme c'est écrit dans une le la Metim, pourquoi les fils et les fils d'un homme meurent que chez un Tanim lorsqu'ils sont petits, que déchire Ifkayitabel la dame cachère pour qu'il pleure et s'endeuille pour un homme qui se conduit bien, pour qu'il pleure et qu'il s'endeuille, Avona qu'il mine. On va lui prendre ses enfants en gage pour qu'il fasse cela par la suite et la chez Adam En vérité, ça veut dire parce qu'il n'a pas pleuré et ne s'est pas endeuillé pour un homme qui se conduit bien. Je collabore Adam Kasher et je collabore avec Tout celui qui pleure et sans deuil pour un homme qui se conduit bien on lui pardonne toutes ses iniquités monsieur le cabot, à par le mérite de l'honneur qu'il lui a fait et l'agma répond et là madame cachait, effectivement on parle dans notre dans le cas où il ne s'agit pas d'un homme qui, pour lequel il est sûr que c'est un homme qui se conduit bien mais si la personne se trouve là-bas au moment de la sortie de l'âme, donc au moment du décès, il y a de toute façon l'obligation de Tania, comme c'est écrit dans l'Ibrahimaïta, Rav et Azaromère, Rav Shion et la met Shion et neshama, celui qui est présent au moment de la mort, donc au moment de la sortie de l'âme, il doit déchirer son vêtement. Le mazé domé, à quoi ça ressemble C'est faire Torah chez Nisraf. Un rouleau de Torah qui a été brûlé chez Chayavlikroa? On doit déchirer son vêtement pour cela. Et répond, effectivement, notre mission pendant un cas où il n'était pas présent au moment de la sortie de là. Qu'il a Safra. Lorsque Rav Safra est décédé, les sages n'ont pas déchiré leur vêtement pour lui. Ils ont dit, nous n'avons pas appris de lui notre Torah. Est-ce qu'il est écrit dans le Braïta si le maître est mort, shemet. Si un sage est mort, on doit déchirer son vêtement Tania, C'est écrit dans le Braïta. de plus, Chaque jour, nous rapportons dans nos bouches ces enseignements dans la maison d'étude. Alors les, les sages se sont dit Bon, ce qui est passé est passé. On n'a donc plus besoin maintenant de déchirer le vêtement. Amalou a baillé, a Tanina, il y a une qui dit Chiroski La braïta dit un sage tant qu'on est occupé à son éloge funèbre, on a l'obligation de déchirer son vêtement. C'est bon le micro alors ils ont pensé déchirer immédiatement.

quelque chose que de son vivant il n'était pas d'accord de faire maintenant on va le lui faire Damarav Rav Tahrifah dit Ana Razit el Ravuna moi j'ai vu Ravuna de le mitav à pourrier qui voulait s'asseoir sur son lit il il y avait un rouleau de Torah qui était posé dessus kafkada ara il a retourné un pot sur le sol, voit-il, il avait, et il a posé le rouleau de Torah dessus. C'est donc qu'il pense qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un rouleau de Torah. Là, son lit, on n'arrivait pas à le sortir par la porte. Ça vaut le de la Alors, ils ont pensé le faire descendre par les toits. Amalou frizda, Afrizda leur hagamir Naminé, voilà que nous avons appris de lui, que l'honneur d'un sage est de le faire sortir par la porte. Ça vaut la chenouillet, et ils ont pensé le déplacer d'un lit, du lit, à un autre lit plus étroit qui passe par la porte. Amaloura Frizda, Afrizda leur a dit Gamir Naminé, ainsi nous avons de lui, nous avons appris de lui, un sage, son honneur, c'est qu'il soit transporté dans le premier lit, celui où il est décédé. Nous citons que l'honneur d'un sage est de le transporter dans le premier lit, celui où il a décédé. Chez parce qu'il est dit, versé dans Samuel, Ils ont placé L'arche sainte du Dieu Tout-Puissant sur une nouvelle charrette, c'est-à-dire la nouvelle charrette qu'avaient confectionnée les Philistins pour le déplacer au départ. Et donc, ils n'ont pas voulu changer de charrette. Parous-Baba Alors, ils ont cassé la porte et ainsi ils l'ont fait sortir. Rabbi a introduit son éloge funèbre à son sujet en disant Notre maître était apte à ce que la présence divine repose sur lui. Et là, chez Babel, Gamale. Seulement, c'est le fait qu'il habite en Babylonie, en dehors d'Israël, c'est ça qui a entraîné qu'il n'avait pas la présence divine sur lui. Motiv Rabnachman Bachizda. Rabnachman Bachizda lui a objecté. Bachizda. D'autres disent Raphrahna Bachizda. Il y a un verset dans Ézéchiel qui dit Ayo, ben Kohen. Était, ce fut la parole de l'Éternel à Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, Kazdim, dans la terre des Chaldéens. Donc on voit bien qu'il a eu la présence divine par la prophétie en dehors de la terre d'Israël. avoua, son père lui a donné une tape avec sa chaussure. Amal lui a dit, ⁇ "Là va l'echa, l'autitro Alma ⁇ Il lui a dit, ne tavais pas dit de ne pas déranger le monde avec cette question ?⁇ Maïhaïro ⁇ qu'est-ce que ça veut dire ?⁇ Était ce fut Ça veut dire que la présence divine était sur lui en terre chaldéenne parce qu'elle a déjà reposé sur lui lorsqu'il était en Israël au départ. Lorsqu'on a monté son cercueil en Israël, on a informé Rabbi Ami, Rabbi Assé, Ravuna ate, Ravuna arrive. Alors ils ont dit quand nous étions là-bas en Babylonie, nous ne pouvions pas lever notre tête devant lui. C'était lui qui était notre chef. Maintenant que nous sommes arrivés ici en Israël, lui vient à notre rencontre. Un bois bah, ils ont dit, non, c'est son cercueil qui arrive. Rabbi Ami, Nafouk. Rabbi Ami et Rabbi Yassi sont sortis pour accueillir le cercueil. Rabbi Lab, Rabbi Chané, allo Nafouk. Rabbi sont pas sortis. Ika Damré, d'autres disent Rabbi Nafak, Rabbi Chané, allo Nafak. Rabbi est sorti, Rabbi Chané n'en est pas sorti. Mais celui qui est sorti, pourquoi Parce qu'il un cercueil qu'on transporte d'un endroit à un autre. Lorsqu'il passe à un endroit, les gens font une ligne pour euh, consoler les endeuillés. Ils disent sur lui. La bénédiction des endeuillés, et les consolations aux endeuillés. celui qui est pas sorti, pourquoi? parce a un cercueil qui ne fait que passer d'un endroit à un autre. Un On n'a pas besoin, dans l'endroit où il passe, de faire une ligne. la ni de dire pour lui la bénédiction des endeuillés, mais un et les consolations des endeuillés. Alors il y a une contradiction entre ces deux enseignements. L'okashia, pas une question. Le premier enseignement, c'est lorsque le squelette est toujours en place. Et le deuxième, c'est quand il n'y a plus de squelette en place. Ravuna Oui, mais Ravuna, son squelette était encore en place. La grande réponse de l'Anafak, Celui qui n'est pas sorti, c'est parce qu'on ne lui avait pas expliqué que son squelette était en place et pourquoi il a pensé qu'il ne l'était déjà plus. et Khaninche. Ensuite, les gens ont dit, où est-ce qu'on va l'enterrer le, Ravuna mais Rabbi Chia Ils ont dit, Ravuna a diffusé la Torah en Israël, au peuple d'Israël, et Rabbi Chia aussi a diffusé la Torah au peuple d'Israël. Man Alors ils ont dit, mais qui c'est qui va le faire entrer dans la caverne où est enterré Rabbi Chia leur a dit, c'est moi qui vais le faire entrer. Donc, qui a Parce que je connaissais tout le Talmud lorsque j'étais en âge de 18 ans seulement. Mais la Khazini Et je n'ai jamais eu d'éculement de sperme. Moi, je parlais Kame. Et j'ai servi le maître Rabbi Ria. Je connais ses actions. Qu'un jour, lorsqu'il a mis les phylactères, la lanière des phylactères à l'endroit où on fait le nœud, elle s'est retournée. Le côté noir était vers l'intérieur. Et à cause de cela, il a observé 40 jours de jeûne. Alors il a fait entrer le cercueil. Avec Gana Yudah mimmine de avoua et Heskia Dans cette caverne, Yudah le fils de Rabbiya était couché à sa droite de son père et Heskia à sa gauche, le deuxième fils. Amale Yudah le Heskia, Yudah Heskia, Adia Heskia, comme il terre. Lève-toi de là où tu es déposé, de la morakara de Kaim Ravuna, car ce n'est pas euh, une manière de se conduire, de laisser Ravuna à, à, à l'arrêt. Badele Kaim, quand Badele Amouda de Nora, lorsque Il s'est levé s'est levé avec lui euh, une colonne de feu. Khazir <messant> Avhaga. a vu cette colonne de feu. Il baït, il a eu peur. Zakfella. Il a mis le cercueil de Ravuna debout pour le protéger. Mais il est sorti. va anash, Anash. Pourquoi il n'a pas été euh, puni par ce feu. Je nous a ai fait la renée. Parce qu'il avait mis le cercueil debout et qu'il l'a protégé des Ravuna, le cercueil de Ravuna. Qu'il a fait de Rafrida. Lorsque Rafrizda est décédé, sa volée a trouvé ses vers Torah On a pensé poser un rouleau de Torah sur son lit de mort. Amaru Rafritsrak. Rafritsrak l'aura dit, Milta, de l'Erabe, la svirale, ananikum ni ravidle. Quelque chose que son maître. N'étaient pas d'accord qu'on le fasse, nous allons le faire pour lui. Ils ont pensé qu'on n'a pas le droit de raccommoder le, la déchirure sommairement. Amanou Rabbi Slak Barami, Rabbi Barami leur a dit Pour un sage, lorsqu'on a on s'est retourné pour rebrousser chemin après qu'on ait enterré le mort. On a le droit de raccommoder sommairement. Kina, n'a fait de Rabba Lorsque Rabba est décédé, Ravanouna et Ravanouna, à ce qu'ils nous l'attendent, on a fait monter leur cercueil en Israël. Kimato Agushra, lorsqu'ils sont arrivés à un pont, Très étroit. Kamu Les chameaux qui transportaient les deux cercueils se sont arrêtés. L'arabe qui était propriétaire des chameaux et qui les conduisait leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, ils ont répondu, les sages se sonorent l'un l'autre. Se donne du respect l'un à l'autre. Marama ou Marama L'un dit à l'autre de passer en premier, et l'autre dit au premier de passer en premier. Amar, alors l'arabe a dit Dinahou de Rabba Baruna li olberecha ». C'est logique que ce soit Rabba Baruna qui passe le premier, puisqu'il est un sage-fils de sage. Khalim Gamle de Rabba Baruna. Le chameau de Rabba Baruna est passé en premier. Les molaires et les incisives de cet arabe sont tombés. C'était une punition parce qu'il n'avait pas à décider qui passe le premier. Un jeune sage a introduit l'horizon funèbre de ces deux sages en disant Shishim le descendant de sage est monté de babylonie C'est donc Rabba Baruna. Verimo s'est fermé Avec lui est venu le livre des guerres, c'est-à-dire le livre de la Torah qui est appelé le livre des guerres de l'Éternel. C'est donc Rabba qui portait avec lui toute la Torah. Que Urpelu les oiseaux de proie de la nuit sont venus nombreux pour voir la perte et la brisure la cassure qu'il y a eu à Shin'ar donc la Babylonie par la mort de ces de ces deux sages alors la mort l'éternel s'est mis en colère contre son monde sur son monde et et a pris de force... De ce monde... Des personnes... Il s'est réjoui... Avec eux... Comme avec une nouvelle... Mariée... Celui... Qui est au-dessus... Des hauts plateaux... Il s'est réjoui... Et il a exulté... Quand... Ils sont venus vers lui les âmes de personnes pures et justes. Qui en a vu de Ravina, parce que Ravina est décédé, l'orateur funèbre, un orateur funèbre a introduit en disant, T'marimini au roche, les datiers au la tête, par signe de deuil, al sadiq katamar, sur le juste qui est comparé. À la date. au datier. Nous placerons des nuits comme des jours pour dire c'est horizon funèbre. Al Messim pour celui qui a placé toutes ses nuits comme ses jours pour l'étude de la Torah. Avachi a dit à Bakipouk, était un orateur funèbre. le jour où je serai décédé, qu'est-ce que tu diras? il lui a dit, Amina, je dirais, imbarazin maya si sur les cèdres est tombé le feu, que feront les petites pousses d'isop qui sont, qui poussent sur les murs? si le Léviathan, un poisson géant, a été tiré de l'eau par l'hameçon, que pourraient faire les petits poissons de marécage Si dans un fleuve puissant est tombé l'hameçon, que pourra-t-on faire avec les tout petits plans d'eau Amale Baravin, Baravin, qui était un autre orateur funèbre, lui a dit, à Dieu ne plaise de parler d'hameçon et de feu sur les justes. Amina est de dire ainsi. Maya Mart, elle dit, alors, qu'est-ce que toi tu vas dire? Amina, je dirais, bah, hula, Velola velo, Pleurez, pour les endeuillés, mais pas pour la perte. chez Shelimnucha, parce qu'elle est partie pour le repos. vers nous sommes restés à nos plaintes. Ravashi, il s'est senti mal sur ce qu'ils avaient dit, parce que le second aussi, il a dit qu'il était quelque chose de perdu, et ce n'était pas quelque chose à dire sur un sage. ou et leur sanction, leur punition a été que leur pied s'est retourné. Et donc le jour où Ravashi est décédé, ils n'ont pas pu venir pour lui dire une raison funèbre. nous, Ravashi, et c'est ce qu'une fois Ravashi a dit, Ni Bar Khalitz, Baravin Ni ne peut être déchaussé lorsqu'il ne veut pas faire le Lévira. Ni Baravine non plus, parce que leur pied est retourné, donc ça s'appelle pas un déchaussement. Rava qui avait atteint les diglates, la Rava lorsqu'il lorsqu arrivait au Tigre, le fleuve du Tigre, a et de Baravine, il disait à Baravine qui était un grand orateur, Marita, dis quelque chose pour que je puisse passer ce fleuve. Amar, alors il s'est mis à dire, La majorité du peuple d'Israël, qui est comparé à des princes, sont entrés dans des eaux, donc dans les dans les souffrances. et souviens-toi et et pitié. Nous t'avons délaissé comme une femme qui délaisse son mari et qui le trompe. Altaz ke keot bimara. Ne nous abandonne pas à nous comme le signe des eaux amères que doit boire la femme qui a été suspectée de tromper son mari. Chanin yuhanan zera Abba yaakov yosish mu'el haïyam lachem siman. C'est les noms des différents sages dont on va parler. Rabbi Chanin, ben benesiaba. Rabbi Chanin était le gendre. Du prince d'Israël. Mais le cas voulait Il n'avait pas d'enfant. Bah, va vouler. Il a prié. Il a eu un fils. le jour où ce fils est né, Le père est décédé. Un orateur funèbre a commencé son oraison en disant La joie s'est transformée. En tristesse, ça sonne veyagon Godi de La et la tristesse se sont attachées ensemble. Be'ed Simrato en Au moment de sa joie, il a, il s'est lamenté. Be'ed Chaninato avat Au moment où l'enfant a eu la grâce de la vie, il a perdu celui qui lui avait donné cette grâce de son père. Ainsi coulaient Hanan alchemé. Et on a donné au fils le nom de Hanan sur le nom du père. Quand a n'acheté Rabbi Yohanan. parce que Rabbi Yochanan est décédé, patach allé Rabbi Tzrag ben El Azar. Rabbi Tzrag ben El Azar a introduit ces paroles en disant :« Quel jour l'Israël crie, paracheméch betzauraim. Ce jour-là est douloureux pour Israël comme le jour où le soleil. S'est couché en plein midi. Diretive, comme il est écrit dans le livre d'Amos, vaia b'Yom Haou, beveti Ce sera ce jour-là. Je ferai coucher le soleil en plein midi. V'amar Rabbi Chanan, zeh yomo shel Yoshiyaou. Rabbi Chanan dit, c'est le jour où a été assassiné le roi Yoshiyaou. Kinar n'abshei Rabbi Chanan, parce que Rabbi Chanan est décédé. Diretive Rabbi Yami shivah u'shloshim. Rabi Ami a observé pour lui, sur lui les règles des sept jours de deuil et des 30 jours de deuil. Amar Rabi Abba Beré de Rabi Chia Baraba, Rabi Abba fils de Rabi Baraba a dit, Rabi Ami de Avad le garmer ou d'Avad. Ce que Rabi Ami a fait, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a pas du tout d'obligation. La mar Rabi Chia Baraba, Amar Rabi Yochanan, car il s'agit de Rabi Chia Baraba au nom de Rabi Yochanan. La fin du rabbo chez Yimdu Chokma, même. Son maître, qui lui a enseigné toute sa sagesse, lorsqu'il est décédé, est Alav et la Il n'observe pour lui qu'un jour de deuil. Kinnar n'ampute le Rabizera, lorsque Rabizera est décédé. un orateur funèbre, a introduit ses paroles en disant Shinhar la terre de Shinhar, donc la Babylonie, est tombée enceinte et a donné naissance. et il et la terre du cerf, c'est-à-dire la terre d'Israël, a fait grandir ces, ceux qui sont chéris par elle, puisque il est né en Babylonie et ensuite il a été élevé en Israël. Malheur à elle, dit Rakat, cette Ibériade, car elle a perdu l'ustensile qui était chéri pour elle. Rabbi Avahu, lorsque Rabbi Avaou est décédé, de Maya. Les colonnes de Césarée ont fait couler de l'eau, comme si elles aussi pleuraient. Des Rabbi Yossé, quand c'est Rabbi Yossé qui est décédé, Chafro Marzévé de Tziporé Dama. Les gouttières de Tziporé ont fait couler du sang. Des Rabbi Yaakov et Tramiou Korfébi Mama. Parce que c'est Rabbi Jacob qui est décédé. On a pu voir les étoiles en plein jour tellement il s'est assombri. Rabbi Assi et Parce que c'est Rabbi Hosei qui est décédé. Tous les arbres ont été déracinés par la tempête qui est venue dans le monde. Le jour où Rabbi Hia est décédé, des pierres de feu sont tombées, des blocs de feu sont tombés du ciel. De Rabbenachem, Shtahut Salmanaya, Vavoule Mahalatsaya. Parce que c'est Rabbenachem qui est décédé. Les effigies qui sont sur les pièces sont devenues lisses, comme si elles avaient été lissées par une truelle, pour montrer que l'effigie humaine a disparu. De Rabbit Al-Khumbachia, parce que Rabbit Al-Khumbachia est décédé, de Katsatsu Kol Tous les visages, statues sur lesquelles il y avait des visages humains ont été coupés, cassés. Les ramélias lorsque c'est ramélias qui est décédé, ont été creusés 70 tunnels à Nerdea par des voleurs qui n'étaient pas là auparavant par le mérite des ramélias -de des rabanounan quand c'est rabanounan qui est décédé a des barres des blocs de grêle sont tombés du ciel des rabanounans quand c'est rabanounans qui sont décédés n'a rien occupé des adadé les... les arches qui sont sous, le... sous les ponts de l'euphrate se sont entrechoquées les uns les autres et les ponts sont tombés d'abraham et ravah et quand baha' iravah sont décédés n'a rien occupé des diglata C'est les arches des ponts du tigre, qui se sont très choqués, et les ponts sont tombés. Adadé, ensemble. des Mesharchia, lorsque Ramesharchia est décédé, Taoundiklechitse. Les palmiers se sont remplis d'épines. C'est la fin de l'étude du DAF Café, de la feuille numéro 25.